cherché plaisir matin. Nous plus envie de faire canon, nous plus envie de contempler canon, nous plus envie de satisfaire désir, non, au lieu de satisfaire posier tes préférences. Fais mon Dieu plaisir matin. Vous faites une fête jouvence. Oui, mettez toute partie dans le corps, nous en mettez. Toute partie dans le corps, non. Mettez toute tête. Alors, dans le son, il a dit les troncs, la tête, les membres, les troncs, bagages. Mais il a dit mettez toute partie dans le corps, nous. Tête là, pied, corps, langue, bouche. Mettez toute partie dans le corps, nous. Tout ça nous gagne qui dans le corps, nous, qui construit le corps, nous. Dédié à l'éternel pour le faire qui? Pour le servir avec elle. Pour faire ça qui bien. C'est pas pour faire ça qui mal. Bon, si pas dit qu'il a servi avec corps pour faire ça qui mal. Et bien, s'il dit, vous délivrez à la mort, il dit, mettez toute partie dans le corps à disponibilité pour faire ça qui bien. Pour qui ça? Ou bien dans partie dans le corps, ou cacher, ou bien, ou quitter, ou faire l'autre bagaille ensemble avec. Ou pas de faire l'autre bagaille avec. Des gens qui choisissent pour dire, yo ka fè sa yo vle avec pop tête pa yo ka fè sa yo vle avec koye. Si m'se chrétien vle, m'ap servi mon Dieu. M'comprenne texte ça, même si m'ta vle fè tête pour plaisir, gen bagay m'pa fè. Même si m'ta vle fè comme plaisir, gen bagay m'pa fè. Parce que li di comme, c'est temps pour Dieu. Si c'est temps pour Dieu pour mon Dieu habiter, m'pa ka fè sa vle avec. Pour qui ça m'oblige pour comme maquin? Pour qui ça m'oblige pour tout yon bagay qui pas fait bon Dieu plaisir? Et puis me fait yon comme, autant dis que me dit ma servi bon Dieu, ma offre sacrifice avec lui-même. Bon Dieu pas prend plaisir. Matin, attendez ça. L'Éternel dit, Samuel. Il dit, l'Éternel pas prend plaisir dans saleté, dans malpropreté. Ça veut dire si, ou qui corps ou a fait n'importe quoi la donne, lui représenter une saleté, une malpropreté, pour dire pas habiter la donne encore. Parce qu'elle n'a pas été dans la saleté, lui n'a pas été dans la malpropreté, ou supposer qui corps pour lui capable. Parce qu'elle dit, ou délivrer en bas la mort, c'est pour capable vivre une vie qui droite, une vie qui sait. Yon vie qui agréable à Dieu. Matin, combien de nous qui voulons offrir pour nous comme un sacrifice vivant, qui saint, qui agréable à Dieu, pour nous offrir nous-mêmes, étant que chrétiens, pour nous dire oui, Jean-Paul dit, il dit, je vous exhorte donc, frère, par des compassions, m'aimez-nous, appréciez-nous. M'appréciez-nous dans l'amour Christ là, par des compassions à offrir. Il dit, ouais, il dit, pour compassion, pour nous, pour nous, mandez-nous pour nous offrir comme un sacrifice vivant. C'est pas pour le débat. Oh Lord, Matthieu, bien-aimé, frère, c'est si toutefois, ou ta oué, il y a un bagage ou ta offri tête ou hier. Aïe, c'est un irré, c'est un grave. Mais maintenant, Paul fait nous connaître. Par compassion qui est pour nous, par j'en remets nous, pour nous offrir comme un sacrifice vivant. Dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 5. Tellement, mon Dieu voulait faire nous sentir, nous saints. Et c'est ça que fait le dit Pierre. Sur cette pierre, j'ai bâti mon église. Il dit, Mathieu, maintenant, t'es là, puis il a dit, Frédéric, sous cette pierre, Frédéric, m'a bâti l'église parce que corps sont corps qui sont. Il a dit, parce que lui offre comme un sacrifice. Même Jean te dit, il a dit pour tout, parce que si vous voulez rester dans la volonté, bon Dieu, si vous voulez rester, fais ça, bon Dieu, mandé pour faire. Ça, c'était une vie. Ça, c'était une vie consacrée. Le consacre vie avec mon Dieu, le consacre vie pour au service de l'Éternel, ou pas des bagailles, ou privé de yo, des bagailles ou pas qu'à faire, ou pas qu'à vivre n'importe qui, ou pas qu'à dire n'importe bagaille avec bouchou, parce que ou consacre ou pour servir mon Dieu, dans n'importe circonstance, quitte ça bon, quitte ça pas bon, quitte mauvais temps, quitte pas bon, c'est pour me servir mon Dieu fidèlement.
parce que me consacre le temps pour me servir mon Dieu. Combien de nous qui consacrent le temps dans le matin pour me servir mon Dieu? On allez, il dit, pour sacrifier un animal conformément à la loi, il prête à tirer une taux. Ça veut dire c'est sous la loi. Il faut qu'on fait ça. Mais Jésus, qui ça le dit? Dans ta bénédiction, il dit, oh Dieu, insistez. Oh Dieu, insistez sur le fait que l'obéissance dit que. Mais le Seigneur attend à ce que nous offrons comme nous-mêmes. Non, un animal, mais un cœur. Lui dit, bon Dieu, il n'y a pas besoin d'animal pour nous offrir comme sacrifice encore. Mais offrir qu'un nous, comme nous, comme étant sacrifice. Et c'est là agréable. Et c'est là le grand plaisir pour être capable de connaître qui est ce monde qui veut servir. Deuxième bagaille là, il dit une vie d'obéissance. Obéissance. Ce n'est pas un bagaille qui est aussi facile. Ce n'est pas un bagaille qui est aussi qui est élastique. Des fois, ou à vivre dans le ridicule ou pas voulez obéir. Ou à vivre dans la pratique ou pas voulez obéir. Qui ça, Paul dit, dans verset 2, qui ça le dit? Il dit, dans le livre où il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il dit, ne renouvellement, il dit, ne conformez pas au siècle présent. Présent, c'est un bagage qui a passé. Dans le moment ça, si nous t'as gardé dans le monde ça, actuellement là, les chrétiens qui vivent, pas qu'à suivre le monde ça, ou est de yon. Les chrétiens qui vivent pour faire bon Dieu plaisir, les chrétiens qui vivent pour faire corps, pour vivre avec corps, avec tête, qui vivent, tout bon vrai, pas qu'à suivre le monde ça, ou est de yon. Qui c'est là dans le monde là? Mes amis, sous ta garde dans la rue, à travers la télévision, à travers les réseaux sociaux, où tu as dit moi-même qui chrétien, qui j'en m'a vivre? Est-ce que m'a vivre? Mais, où tu as vivre même j'ai avec toi, où tu as fait même bagarre avec toi, le fait que bon Dieu m'a donné pour offrir corps comme un sacrifice, ou pas qu'à faire n'importe bagarre avec toi, parce qu'on pas suivre le monde là. Parce que c'est ça. Ce n'est pas un cercle qui est positif, plus que ça, il est plus négatif, parce qu'il est plus mené à la perdition qu'il mène à la vie. Cercle ça, plus mené à la perdition, au lieu de mener à la vie. Parce que si vous êtes chrétien, tout le monde veut, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. L'élément dont vous transformez, transformation vous l'avez dit, ou vient l'autre monde, transformation vous l'avez dit, ou pas même monde avec monde, ça va regarder là, même le vous vivre là-dedans, ou différent. Amen. Amen. Ou doit différent, amen. Parce que le regard de monde n'a pas marché, le regard de façon la vivre, ou même ou pas qu'à vivre même jamais, parce que ou dit, ou c'est lumière. Si ou c'est lumière, ou doit éclairer le monde qui nous fait noir. Est-ce que Christ de nos jours, qui éclaire le monde qui nous fait noir? Est-ce que les chrétiens de nos jours, ça va être un exemple? Dans la qualité de la diabète, dans la qualité de l'habillement, dans la qualité de façon de vivre. On lui dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire, si ma vie est là, on doit un exemple pour quel que soit côté d'arriver, parce que nous sommes chrétiens. On a fait ça, vrai. On a marché de pas qui gens. Il y a un garçon qui a un pantalon, et puis il n'a pas senti où il mettait là comme ça, et puis il m'a marché comme ça. Et puis le fils il a mouvé contre là pour dire ma petite femme dans mon Jérémon. Comment on va dire que Jérémon là? Bon pantalon, on va dire que Jérémon là. Bon pantalon, on va arrêter sous moi, on va dire que Jérémon là. Non! Je vais dire que même j'en avais mouillé. Je vais dire que dans le travail, il y a un pantalon sous lui, il a poussé, on tué, et puis le pantalon empêché pour se tuer. C'est comme ça, il a marché deux biens ouvrés. Deux biens ouvrés. Il va dire que. Je cherche contre le plastique, je vais aller en 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 plastique, contre le plastique là, l'autre là, je monte en plastique, je dis, regardez, ça va la carouille là, c'est la carouille, ou deux mondes qui ont voulu vivre dans ta famille.
Et même là, vous savez, la pas du moins, il y a fini gado là, comme ça. Ok, mettre avec la gado dans la caméra, il dit, vous savez, oui, Michel, vous allez, parce que Michel va vous voir. Il dit, Marie, vous mangez pas. Ou pas qu'un chrétien pour vivre n'importe qui, Jean. Ou pas qu'un chrétien pour faire n'importe bagaille. Lorsque chrétien, Paul dit, ou bon, Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez, ouais, les filles disent ça, il dit, s'il vous plaît, il ne parle pas à la prophétie, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et tant que chrétien non intelligent, et tant que chrétien t'a donné intelligent, chrétien t'a adressé au monde qui attend avant pas arriver sous lui, ou t'a donné parce qu'on a une lumière dans les yeux, lumière t'a donné l'éclairer. Il dit, soyez intelligent pour capable de voir. Ça qui a passé, ça qui a venu sur vous. Ça qui a venu, est-ce qu'on a copié? Ça qui a venu, est-ce que je suis capté? Ça qui a venu, est-ce que même moi qui a capté? Est-ce qu'on a appliqué dans la vie? De soyez intelligent. Chrétien, bien-aimé frère, nous devons être intelligent. Dans le monde, ça n'a pas vivre là. Dans le siècle, ça n'a pas vivre là. Nous devons être intelligent. Nous devons être plus violent. Que jamais, parce que le monde là n'a pas offert aucun rien que la perdition, que la mort. Alors avancez, il dit soyez intelligent. Dans le renouvellement, il dit afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable. Il dit pour intelligent et pour capable de voir qui, quelle est la volonté. L'on parle de volonté pour Dieu. Vous avez vouloir le pouvoir pour faire n'importe qui. Pour dire n'importe quel bagaille. Volonté pour Dieu dans la vie, c'est quelque chose. Là, vous avez c'est volonté pour Dieu qui travaille dans la vie, il y a des bagailles qui ne dépendent pas de vous. Il y a des bagailles qui ne dépendent pas de vous encore. Parce que c'est bon Dieu qui a fait volonté dans la vie. Laissez-vous que vous avez fait volonté pour tout le monde. Lui offre les salvés. Lui va les salvés. Mais bon Dieu, pas de jambes. Bon bagaille qui pas bon. Pas de jambes fou, bagaille qui pas bon. Parce que c'est lui qui a fait volonté. C'est ça que fait nos prières, dit que volonté soit faite. Là, on dit que volonté soit faite. Là, il dit, c'est ça le vle, la fait pour. Ça veut dire, il dit, vous devez connaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable. L'autre dit ça, il dit, pour connaître volonté de Dieu, pour faire ça qui est bon, ça qui est agréable. Ouais, moi ça a répété deux fois, ni dans le chapitre premier, ni dans le verset premier, ni dans le verset deuxième. Il dit, ce qui est bon et agréable. Ça veut dire, vous devez faire ça qui est bon, ça qui est agréable, devant Dieu, pour Dieu, matin. Matin, conseil Paul pour nous chaque matin, pour moi et moi, ça m'a fait. C'est pour nous rester en bas volonté, en bas soumission, bon Dieu, pour nous, qui ça? Bon Dieu, décidez pour nous. Nous allons regarder trois textes avant de nous aller. On a regardé dans la première verset 4, Éphésiens 4, verset 23, Colossiens 3, verset 10. Nous allons regarder trois textes avant nous. Qui ça, bon Dieu lui-même? Il décide dans l'obéissance. Oui, pour lui dire ça, non, conformité au monde. Il doit conformer avec le monde ça. Parce que le monde ça, il n'a pas gagné aucun rien pour le fou. On a regardé dans Galates chapitre 1er, verset 4. Si vous qui joue n'importe texte là d'ailleurs pour nous, n'appelez l'avant parce que tout parle du même bagage, tout c'est dans le texte là d'ailleurs. Galates. Colossiens 3, verset 10. Et là. Alors, on t'a pris pour Galate là avant. Bon, moi, si vous voulez Galate avant. Vous faites voir, venir? Verset 4. D'après volonté de mon Dieu, papa, nous. D'après volonté de mon Dieu. On fait silence, on va aller. D'après volonté de mon Dieu, Christ. Ça c'est dans volonté mon Dieu, il décide, ça lui veut offrir nous. Christ là baille la vie. Ça veut dire petit bon Dieu, il baille la vie. C'est pas tant. Non, plaisir. C'est pas dans plaisir parce qu'on va y faire pour faire. Mais c'est dans volonté mon Dieu.
C'est ça qui fait Christ, Jésus-Christ, est venu mourir pour être capable de battre nous la vie. Ça dit ça vient dans la volonté, mon Dieu, pour petit la vie mourir. Ça veut dire, c'est ça qui fait lui dire, ou pas doué offrir, ou pas doué vivre n'importe qui gens. Dans la volonté, mon Dieu, d'après la volonté, mon Dieu, Jésus-Christ, est venu mourir pour être capable de battre nous la vie. C'est ça qui fait, si c'est mon Dieu qui va faire volonté dans la vie, nous devons vivre d'après Jean, mon Dieu, mon Dieu pour nous. On a lu Éphésiens 4, verset 23. Éphésiens 4, verset 23. C'est pour nous changer net. Ni dans le cœur nous, ni dans l'esprit nous. C'est pour nous changer net. Les hommes de Yombaga qui pour nous changer net, ça veut dire. C'est comme si ou t'es un bagage qui crase, li fon ou bien li fele, ou a pensé avec. Qu'est-ce qui semble faire là? Puis quand on dit qui vient, il dit ça, vous avez pensé? On nous change net. On nous retire. C'est pour nous changer net. Après, qui ça dit encore? Je veux ni dans le nous, ni dans l'esprit nous. Ça veut dire si nous t'avons vivre. Autrefois n'importe qui Jean. Si nous t'avons vivre autrefois, Jean nous voulons. Si nous t'avons vivre autrefois, nous t'appelons la vie, nous Jean nous voulons. Le fait que Christ mourit pour nous, le fait que Christ retire nos pouvoir la mort, le fait que Christ retire nos péchés, et bien nous c'est pour nous demander nous, après qu'il fait toute bagaille ça pour nous, c'est pour nous changer, retirer toute vieille messe, toute vieille défaut qui nous quitte nous pour nous capables de vivre bien, sain et agréable avec Dieu. Ça veut dire, là, Jésus-Christ, non, bon Dieu, bon Dieu, non, volonté, Jésus-Christ, il mourit. Et puis, il dit, dans Ephésiens, c'est pour nous vivre, c'est pour nous changer net. Il vient changer nous, il vient retirer toute vieille messe, toute vieille défaut, parler mal, hypocrisie qui est dans le cœur. Hypocrite, caressant, ou à parler avec nous, et puis c'est pas le cœur qui parle avec. Ou pas le mélange, c'est pas mieux qu'on va livrer. Les mandats pour changer matin. Les mandats pour retirer des fausses armes dans le cœur matin. Si ce n'est pas l'hypocrisie dans l'église, si ce n'est pas parler mal dans l'église, parce que si vous parlez mal dans le cœur pas qu'à changer. Ou pas vivre bien, ou pas vivre net. Ça veut dire, miracle, ça qui est écrasé dans le cœur là, il peut vous sortir. Ça qui est fait là ou même là, il peut vous déplacer. Parce que cœur, il y a hypocrisie toujours. Où doit vivre? Jean, bon Dieu, mandé. On va regarder dans le dernier texte là. C'est Colossiens, chapitre 3, le verset 10. Colossiens, chapitre 3, verset 10. Qui ça lui dit? Il dit. Pas mon créole? Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a là? Nous retournons l'autre qualité de monde. Nous retournons l'autre qualité de monde. Nous ne sommes pas capables de vivre n'importe qui encore. Nous ne sommes pas capables de faire des plaisirs encore. Nous ne sommes pas capables de nous lâcher comme boussole nous encore. Parce que nous sommes l'autre monde. Nous avons changé. Parce que nous ne vivons pas plus encore. Parce que si tu as caché une colonne, si tu as caché une colonne, si tu as mal à l'aise là, tu pas là encore. C'est pour vivre. Parce que lui mandé pour retirer tout bagaille qui est dans le cœur. Pour qu'à bonnette, bonnette ça veut dire pas aucun petit tâche, pas aucun petit défaut. Si vous avez défaut, ou pas comment. Si vous parlez mal, ou pas comment. Si vous parlez, si vous faites ou non, ou pas comment. C'est pour bonnette. Allez, venez. Jix, nous, il veut sembler à bon Dieu qui crée nous. Ou quoi ça veut dire l'ordre, il veut sembler avec mon monde? Semblez à bon Dieu ou vivre même gens tout ça bon Dieu mandat pour faire ce que vous faites. Semblez avec bon Dieu. C'est pas dans le visage simplement non. C'est pas dans le corps simplement non. Mais on suppose changer dans le cœur tout oui. Dans le corps oui. Dans toute bagaille où doit sembler. Sembler. Jésus se désire. Sembler. Aïe aïe aïe. Sembler Jésus se désire. Ça veut dire ma vie pour lui, ma fait le plaisir.
Si ma fait le plaisir, mes amis, comment vous devez vivre? Comment vous devez vivre? Semblez. Jésus s'est désigné. Les moins seuls parmi nous. Qu'est-ce que vous définissez? Pour nous déclarer qu'on est net. De deux belles frères et sœurs. Maintenant, dans nom, les noms des chrétiens, les principes chrétiens doivent gagner, les noms doivent doit suivre pour vivre, pour faire bon Dieu plaisir. Bon Dieu demande au bout bon, pour capable vivre une vie qui est agréable et saine. Combien dans nous, maintenant? Je vais retourner dire encore. Combien dans nous, maintenant? Qui voulait vivre une vie qui sait, qui voulait mener une vie qui sait, qui est agréable, qui est parfait, qui n'a volonté mon Dieu matin, et qui va vivre pour faire mon Dieu plaisir, qui va vivre dans le monde dans le siècle là, mais qui va vivre avec Christ et pour bon être. Il faut que vous acceptez, souffrir mon Dieu là, pour vivre, pour faire mon Dieu plaisir, pour bon être, il faut que vous acceptez, souffrir, et si ou accepter souffrance là, ou que pour arriver à un côté, pour bon et pour mon être, et laisse ça, ou à ka offri, yon kil qui raisonnable, ou à ka offri corps, yon corps qui sait, qui est agréable à Dieu. Parce que, ou man, li mando, pour faire tout ça, ou que pour faire, que vous faites, que bon Dieu n'a mon langage, capable de considérer nous, capable de garder nos matins, pour nous vivre une vie qui sait, et qui est agréable, l'évangile que bon Dieu nous.